Hello hello les amis, c'est Fritz et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, sur une map qui, vous allez voir, je pense, va vraiment vous attendrir. Si vous ne trouvez pas cette map mignonne, franchement c'est qu'il y a un gros problème. Nous allons aller sur la map Kawaii Hobby, donc c'est un hobby avec que des choses mignonnes. Donc voilà, vous avez compris, aujourd'hui une vidéo extrêmement positive, remplie de couleurs et remplie de choses mignonnes. Avant de commencer cette vidéo, vous savez que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater si jamais ce n'est pas encore fait. Plus on est de fous, plus on rit. Puis surtout, je sais que des fois, il y en a qui oublient tout simplement de s'abonner alors qu'ils suivent les vidéos régulièrement. Bref, mis à part ça, on est directement parti. Et merci aussi également à ceux qui mettent le code FRITZ dans la boutique Robux. Vous êtes vraiment les champions. Allez, on est parti. Let's go! Regardez-moi cette map incroyable. Hey, salut! Merci de jouer. Regardez ça. Vous avez compris qu'avec tous ces petits nuages ultra kawaii, ça va être super mignon. Alors, on commence avec une première salle avec une étape plutôt simple. Hein. C'est tout simplement des cercles sur lesquels tu dois sauter comme ça. Et nous avons plein d'objets kawaii dessus, plein d'objets cosmétiques, même carrément de maquillage, etc. en mode kawaii. Bon, vous l'avez remarqué, je pense que tout sera kawaii ici. Hein. Regardez, plein de couleurs partout, plein de bleu, plein de vert, plein de rose. Un petit nounours ici, trop mignon. Ok, on doit choisir la bonne porte, c'est ça? Ouais, c'est ça, on doit choisir la bonne porte. Ok, vas-y, je vais prendre celle de droite et on va voir si ça marche ou pas. Non, c'était celle de gauche du coup. Allez, let's go, on prend celle de gauche. Attends, ils vont faire la même avec les escaliers. Oh là là là, ça va être chiant ça. Si on a des trucs comme ça à chaque fois. Attends, je vais prendre celui du milieu. Non, c'est pas celui du milieu, peut-être celui de gauche alors. On reste sur la gauche, non plus. Donc bah droite, du coup là je pense qu'on peut plus se tromper. Forcément, ce sera celui de droite. Et est-ce que là on doit encore une fois trouver dans ces manques? On a juste qu'à aller à droite. Est-ce que celui-là c'est bon ou pas? Attention! Les cookies, ok, on a des chemins différents. Est-ce que celui de droite c'est bon ou pas? Oui, celui de droite c'est bon, let's go. Maintenant il y a les portes, allez, dites-moi que c'est celui de droite. Mais les gars, vous forcez, celle du milieu alors? Ok, c'était celle du milieu. Là, on ne meurt pas en allant sur le sol, on doit monter sur les sucettes ultra kawaii d'ailleurs. Hein. C'est vrai que je suis en train de faire tout ce que je peux pour ne pas rater. Mais c'est vrai que quand tu regardes la décoration, on est vraiment, vraiment là pour le coup, je pense, sur le lobby le plus kawaii que tu peux trouver sur Roblox. Attends, ça se passe comment là? Faut sauter sur les boutons, c'est ça? Et les autres trucs, ça te tue? Si j'ai bien capté? Je pense que ça doit être ça, ouais. Parce que là, aucun bouton m'a fait tomber, donc c'est forcément ça. Alors ensuite, ici, je dois faire quoi? Je dois monter les escaliers, c'est tout? Ah non, non, ok, on avait un, okay, on avait un seul transparent que je ne voyais pas. Et là, on va directement par cette porte-là. Reach the hand to show the face. On doit trouver en gros le bon flamant rose. Si on se trompe, eh ben on doit recommencer depuis le début. Ok, donc j'ai fait droite, milieu. Non, ça marche pas. Donc si je fais droite, qu'ensuite je fais un petit gauche peut-être, et que je fais un droite, est-ce que là ça marche? Et oui, ça marche. Parfait, nickel. J'ai peur de galérer 20 ans sur des trucs comme ça. Ok, là je crois. Ok, on doit sauter ici. Hop, hop. Désolé si je me répète pas mal, hein. Vous savez que là j'essaie de me concentrer pour vous montrer un petit peu de performance. Car c'est vrai que j'ai pas un niveau dégueulasse en hobby, en tout cas sur des hobbies comme ça, de ce style là. Franchement ça passe de ouf, hop, on va ici et on a réussi à s'échapper. Là nous sommes dans la savane et nous avons, waouh, trois portes. Vas-y, je vais essayer d'aller à gauche, hop, salut Croco, ça va? On va aller à gauche, je suis mon instinct s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, oui ça marche putain, merci mon instinct. Oh là là, je suis trop content. On va perdre du massant. Attends, je dois faire quoi là? Je suis dans une cage à hamster. Je dois aller dans la roue? Je dois faire de la roue ici? Non, pas du tout. Très bien. Aller dans cette petite maison de... Ah bah d'accord, bah ok. Désolé, je comprends pas toujours tout. Là il y a des glands, ok, je dois sauter sur les glands. Hop, hop. Ça va en vrai, je galère pas trop. Il y a juste les phases où tu dois choisir le bon truc qui sont un peu plus compliquées dans le sens où bah c'est complètement du hasard. Là je dois faire quoi? Je dois toucher les moutons? Non justement, attends. Ah il y a des chemins. Ok, il y a des... Ok, il y avait deux chemins en fait. T'avais à gauche ou à droite. Là c'est un... Oh non, là c'est un labyrinthe. Je vais suivre les souris. Je vais suivre les souris, le fromage. Et on va voir si ça va m'emmener au bon endroit ou pas. Alors attention, ok, je suis encore la souris. Je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'il faut vraiment suivre les dessins. Voilà, genre là il y a un fromage. On va pas ici. Ensuite la souris. Ouais, ensuite je suis en train de voir que là il y a encore une souris. Et là j'ai trouvé la sortie. Donc c'est ça, il fallait juste suivre les images. Je pense qu'il y a quand même quelques petites aides. Bah voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Des yeux verts, ça change. Oui, je donne toute chose R. Non, non, je pense pas. Ok, on doit monter en haut en fait pour choisir une nouvelle coupe de cheveux. Oh merde, merde. Attends, c'est quoi? What? Je comprends. Ok, je crois que c'est le café, la tâche de café qui m'a tué en fait. Alors on slalom, on slalom, on slalom, on slalom. On va ici par la porte, magnifique, là on a droite ou gauche, je serais tenté d'aller à droite pour le coup. On va voir si c'est bon ou pas, oui je crois que c'est bon. Quoi ça? Ça ressemble à une file de parc d'attraction. Ouais ouais c'est ça, faut juste slalomer entre les barrières ici. Et là je pense que, ouais c'est bien ce qui me semblait, il faut suivre le chemin. Tu peux pas directement traverser parce qu'il y a un mur invisible qui bloque. Tu dois faire hop des zigzags comme ça, prend un petit peu de temps mais ça va, ça reste plutôt simple. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Nous avons une salle avec des petits nounours et on doit monter de plus en plus haut pour pouvoir atteindre la porte de sortie. Ok, ça me paraît simple.
Oui, en effet, ça me paraît pas simple, c'est même simple. Là, on a un chemin des escaliers. De nouveau, la même mécanique que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est avec des marches d'escalier. Hop, 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 regardez-moi comment je trace là. Oh là là, le talent! Le talent! Ensuite, la porte de sortie est juste là. Oula, ça c'est des miroirs ça. Ouais, c'est des miroirs. Ok, je me suis fait avoir, mais c'est bon, j'ai capté le délire. Ok, encore une autre salle de miroirs. Oh là là, comment est-ce que je vais faire? Mais c'est tous des miroirs partout en fait. Ah! Ah! Je crois que, ok, je crois à mon... Attends, je vais confirmer ça. Je prends en gros que... Le moyen de savoir quelle vie je dois prendre. Ouais, c'est quoi? Il y a un stickers en fait. Quand t'as une image, c'est que tu peux traverser la vitre. Ok, bah ça rend là. Ouais, ça rend tout de suite le truc plus facile en fait. Là, il y en a encore un. On va par là, ensuite on va par là, ensuite on va par là. Je fais des bêtises. Ok, on va là, ok, on va là après. Hop, et je sors ici. Très bien. Là, je pense que je dois éviter les trucs qu'il y a par terre. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Je me fais pas avoir. Faut se méfier de ce genre de trucs. Ok. Oh non, mais voilà, voilà. Au moins, j'ai la preuve que c'était bien ça. Moi, personnellement, pour moi, je n'avais pas touché le bail, mais c'est pas grave. Allez, hop, nouvelle porte de sortie. Waouh, c'est stylé, hein, vous avez vu ça? Petit tunnel comme ça là. C'est limite hypnotisant. Là, je dois faire quoi? Allez, vas-y, on va sur le jaune, c'est ma couleur. Oh, ça a marché. Ça a marché. Comme quoi, le jaune, les amis, ça me porte vraiment bonheur. On a trois chemins différents. Milieu, ça passe pas. Est-ce que la droite, ça passe? Non, non plus. Donc, c'est forcément à gauche. Hawaii hair. Est-ce qu'on là, on va pouvoir choisir? Ouais, on peut choisir une coupe de cheveux. Vous savez quoi? On va se faire cette petite coupe de cheveux là. Voilà. Oh putain. Regardez-moi ma tête, c'est n'importe quoi. Oula, oula, oula. Ça va être compliqué ça. En gros, en quoi tu préférais voyager? Bah, je vais dire la fusée, hein, let's go. Et on apparaît dans une ferme. Très bien. Donc, la fusée m'a emmené dans une ferme. Ok, on va aller sur les ballots de paille. Faudrait pas que je tombe. On peut dire que ce serait ballot. Excellent. Allez, faut que j'arrête mes blagues pourries. Qui ne font rire personne. Hop. Je saute comme un mouton. Hop. Saute mouton. Let's go. Et on a réussi à s'échapper de la ferme. Ensuite, c'est quoi ça? Je dois esquiver les. Ok. Ah non, je dois. Ok, non, je dois aller sur les trucs de bois. Je pense que là, manie ses outils, frérot, il a perdu tous ses outils. Hein. Là, ça fait 3 jours qu'il recherche ses outils, ils sont tous là. Hein. Regardez ça, il y a un maître, il y a une clé à molette, il y a plein de trucs. Tournevis. Alors, je me concentre. Parce que je dis des bêtises, hein. Mais si je tombe, je recommence tout et ça me ferait chier de recommencer. Ok, nice, c'est bon. Panneau stop, c'est pas grave, moi je suis un thug live, je passe le panneau. Ah oui, ok, faut sauter de bande en bande. Les bandes de la route. Une étape plutôt simple en soi, hein, surtout qu'on a quand même de la marge. Hein, les bandes sont assez grandes, hein, du coup c'est facile. Ouais, je sens à mon avis qu'il y a plusieurs wagons. Vas-y, je tente d'aller à gauche pour une fois. Ok, ça passe ou pas? Oui, apparemment ça passe. On va se mettre le truc de nounours là. Oh là là, regardez-moi ça. Est-ce que je suis mignon? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Je pense que là, à la base, on est censé être de plus en plus mignon. Sauf que là, ce n'est pas mon cas. Moi, ça ressemble à rien. Ok, nous avons l'endroit des fruits. Pensez à la boisson oasis quand je vois tous ces fruits. Ah non, je dois recommencer à chaque fois. Je dois revenir en arrière. Allez, on se foire pas. On se foire pas. Ok, la petite banane. Et on passe l'étape des fruits. Ensuite, nous avons quoi? Non, on a encore des trucs. Vas-y, milieu, je tente pour une fois le milieu. Ça passe ou pas? Mais non, genre en plus, ils me font tomber juste à la fin. Alors qu'ils pourraient me faire tomber au tout début. Ok, c'est bon, c'est celui-là. Nice, allez, on se casse d'ici. On a de nouveaux trucs d'images. Ok, si on fait gauche, ça marche pas. Si on fait droite, ok, droite-gauche peut-être. Droite-gauche. Gauche peut-être encore. Non, droite-gauche. Donc droite. Gauche. Droite. Peut-être droite. Et gauche pour terminer. Oui, c'est bon. Oh, j'avais trop peur qu'il me passe pour à la toute fin. Là, on a des quoi? C'est quoi? Des boules de papier mâché? Ah non, c'est des popcorn. Ok, c'est des popcorn. Bon, ils ont l'air un peu fades quand même, les popcorn, non? Là, on a des nœuds papillons. Ok, je me foire pas. Super. On saute là. Et on passe. Là, ça va, on enchaîne des étapes plutôt simples. En fait, les seules étapes qui sont un peu plus compliquées, c'est quand il y a du hasard en jeu, tu vois. Hop, je me mets ça. C'est quand il y a du hasard en jeu. Juste aller sur le symbole qui me fait traverser, c'est ça? Ouais, il y a un mauvais, il y a un bon symbole. Je vais ici. Non. Et là, c'est peut-être du gauche-droite tout le temps, non? Ok, c'est peut-être ça en fait, regarde. Gauche-droite, gauche-droite. Ouais, je crois que c'était ça la mécanique. Gauche-droite, gauche-droite. Ensuite, on a un étang. On va sauter sur les nénuphars. Salut le crapaud, ça va? Bah, en fait, je dois pas aller là. Hop. Ça va. Franchement, ça va. C'était plutôt simple. Ouais, je comprends pas trop le délire du truc, mais. Et pourquoi pas? Ensuite, si je vais là, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon, on peut se barrer par le château ici. Oh, une magnifique couronne. Regardez-moi ça, je ressemble à rien, putain. Pourquoi est-ce que je suis pas mignon? À la base, je devais être mignon, mais là, ce n'est pas le cas. Oh, oh, ok, on a des trucs de poney. Quoi, on doit choisir le bon poney, c'est ça? Ah, ok, je vois, il y a un bon poney qui me fera aller au bon endroit, je pense. Qui me fera descendre, tout simplement, sans que je respawn. Ok, on a un poney violet, est-ce que lui marche? Oui, lui fonctionne, ok. Et là, je dois aller où? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah. Ok, je vois, en gros, tu prends des portes. Et si tu te foires, tu recommences depuis le début, c'est ça? Vas-y, pour changer, je vais aller à droite. Est-ce que ça marche ou pas? Bien, pour l'instant, je sais pas comment est-ce que je fais, là, à gauche, peut-être. Gauche, 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 gauche. Mec, ça marche, attendez. Là, il y a un choix très important à faire. Droite, peut-être. Allez, dites-moi que c'est bon. Attends, si j'ai fait un one... Mais j'ai fait un one-shot. Mais mec, mais j'ai beaucoup trop de chance. Mais genre, le taux de probabilité que je fasse ça en one-shot, c'est improbable.
Ok, ça c'est simple. C'est des donuts avec des trucs de chocolat. Là, on a des poissons avec des petits bébés loutres qui sont super mignons. Traverse la cascade. Ok, là, nous avons des trucs de licorne. Et bah, vas-y, voilà. Encore plus de flow, encore plus de style. Là, il faut faire quoi, là? Ah, à mon avis, les marshmallows, ouais. Je pense que le feu, ça brûle, donc forcément, tu vas sur le feu, tu meurs. Ok, donc là, ça va, j'ai compris le délire. Champignons, on dirait des champignons de Mario. Non, je dois... Oh, putain, il me faut remonter à une échelle. Je me concentre. Ils sont bien sympas, les champignons, mais ils ont l'air un peu plus compliqués que ce que j'ai eu avant. Quoique, ça va, en vrai. On va juste prendre son temps. Et hop, on a juste qu'à se barrer. Après, via ici. Attends, on fait quoi, là? On doit sauter sur les trucs de pique-nique, c'est ça? Ah, attends, non, non, non. Ah, ok, il y a des insectes, en fait, sur les tapis. Et je dois pas toucher si il y a des insectes. Donc ça va, il y a quand même des petites aides. Attends, il y a des aides à chaque fois sur les parcours et je le vois pas. Ok, il faut faire quoi là? Sauter sur les fleurs? Ouais, faut sauter sur les fleurs. Ok, ensuite ici on ressaute. On se foire pas parce que là c'est un peu différent comme mécanique. C'est bon, j'ai quand même réussi. On peut avoir des ailes incroyables. Alors attention, et regardez-moi ça, j'ai des ailes de papillon. Est-ce que c'est pas magnifique? Oh non, il y a encore des trucs avec les échelles. Attends, on va voir si la couleur jaune est vraiment la couleur genre préférée peut-être d'ailleurs de la personne qui a créé la map. Mais si le jaune nous sauve encore, c'est vraiment incroyable. Non, je pense pas. On a eu beaucoup trop de chance jusqu'à présent. Ouais, bon, ça me semblait évident. Alors attention, mesdames et messieurs, prêt pour le plongeon. Zuri! Alors est-ce que c'est bon? Bah oh, le vert est bon. Attends, c'est bon ou pas? Ah oui, je crois que c'est bon. Ok, on a réussi à traverser le cupcake. Et on peut maintenant prendre la porte. Bah, magnifique. Escalier. Bon, on va tester le bleu. On aura fait du jaune, on aura fait du vert, on aura fait du bleu. Attention. Oui, ça passe aussi. Regardez, il est sur mon épaule. Magnifique. On a plein d'objets mignons, si j'avais pas vu, regardez. On a plein de trucs. Je vais prendre le petit nounours, là. En vrai, il est long, le hobby, quand même, hein. Il est vraiment long. Il y a des boules, des chewing-gums, je pense, à mon avis. Voilà, tac, c'est bien ça. Il y avait un truc de chewing-gum ici. Merde, je viens de tomber. Mais il faut que j'aille sur les parapluies. Si j'ai sur les nuages, je pense que ça me fait traverser. Je préfère pas tenter, mais je pense que ça doit être ça. Ok, hop, on se casse. Là, on a différents chemins d'arc-en-ciel. Est-ce que juste à la toute fin, ils vont me faire, en gros, revenir en arrière? Non, ça va, ils ont été réglo. Ça, c'est quoi, ça? Ouais, je monte, très bien. Et on a quatre portes. Montgolfière jaune, non, ça marche pas. On va essayer celle de gauche, alors. Pourquoi pas? Non plus. Alors, celle de droite. Mec, ah, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, terminé, je pense. Ok, j'ai terminé le hobby, les amis. Nous arrivons dans une sorte de pièce où il y a une grande scène. Là, on a une salle pour faire des photos. Bah, écoutez, franchement, c'était sympa ce hobby. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et bah, écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. Si ce petit hobby kawaii vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu version kawaii et à me mettre un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez ce hobby ou pas? Dites-moi tout ça. Et sinon, mis à part ça, tu sais que tu peux toujours t'abonner à la chaîne si tu apprécies le contenu. Bah, t'abonner à la chaîne principale Frites pour checker toutes mes autres vidéos. Et en parlant de vidéos, bah, il y en a deux qui apparaissent à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. On se retrouvera très, 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 très vite. Vous inquiétez pas pour de nouvelles aventures Roblox. Allez, salut tout le monde!